c'est pas la seule dans le monde, hein, mais c'est une vie, c'est chacun pour sa tronche à Paris, c'est marche ou crève. Et c'est très pollué, c'est très compliqué et c'est très triste. Si tu connais personne, si tu sais pas ce que tu veux faire, comment soutenir mon travail sans passer par YouTube? Tu peux installer le navigateur Brave, tu peux passer par PayPal si tu veux, tu as les liens sous la vidéo. Il faut avoir de l'argent, il faut... Bah 94 c'est pas Paris, mais bon, ça dépend où tu vis aussi. Paris c'est une des villes les plus difficiles à vivre, dans le monde. Hein. En France aussi, mais dans le monde. C'est très bruyant, c'est très négatif, c'est très, très triste, très... Bah, y a peut-être aussi des choses positives, mais il faut les chercher. Après, tu es cool en province. Hein. Ils ont fait... Ils n'ont pas de fontaine avec la Covid. Le Diarolo lui dit, prenez des gourdes. 25 centilitres d'eau, là où ton gamin va à l'école, et pas plus par jour. 45 ans dans les Yvelines, Nogent-sur-Marne. Paris. La cocotte siffle, il y a trop de pression. À ton avis, Rémi, ça va péter. Ça va péter tôt ou tard. Mais pas forcément comme vous le pensez. C'est-à-dire pas forcément pour aller taper l'Elysée, pour aller prendre le président. C'est-à-dire dans les têtes déjà, et peut-être aussi au niveau des actions en justice. Paris très néfaste, absolument. Reportage sur les vendanges à Montmartre. Non, parce que c'était quand, fallait quand. Ça va péter comment? Ben, ça commence à péter avec des personnes qui se rejoignent au niveau de la pensée, au niveau des intelligences, au niveau des class action, au niveau de la justice. Après, c'est peut-être dans la rue, peut-être dans quelques temps, avec de plus en plus de personnes, je sais pas. T'as envoyé ton CV à Disney? Et tu veux aller dans l'ISS avec Tom Cruise? Réponse, fin de semaine? Ah, c'est du rapide, ça! Quand tu vois qu'un Japonais... Ils sont nombreux à se taper une dépression quand ils arrivent sur Paris. Alors, pour les Japonais, les Japonais pensent arriver à Versailles. Les Japonais pensent que c'est comme à l'époque de Versailles et ils vont être reçus en grande pompe et que ça va être très classe. Quand ils arrivent et qu'ils se font recevoir, des fois, ça arrive. Il n'y a pas un bonjour, il n'y a pas forcément le client qui est roi. C'est compliqué, ils se prennent tout dans la tête quand ils arrivent. Alors, pour la personne, c'est Renarté. Je me suis désabonné à cause du fait que Google prenait une partie des dons. Alors, il faut savoir, on est sur des téléphones. Et pour ceux, parce que quelqu'un tout à l'heure m'a parlé, on va reparler des médecins, mais quelqu'un tout à l'heure m'a parlé des sites web. On est chez Google ou chez Apple. Google et Apple prennent 30%. Vous allez dire, c'est énorme. C'est pas si énorme que ça. On est au cœur même du trafic. On est sur... différentes branches, vous êtes perché, hein, chez Google ou chez Apple. Il n'y a pas à aller trop loin, il n'y a pas à chercher. T'es perché, ça il va savoir, chez Google ou chez Apple. Non, il reste 30 minutes de direct. Et quelque part, t'es tributaire, t'es dépendant. Mais tu ne vas pas créer ton propre système d'exploitation. Et tu ne vas pas toi-même, justement, rester tout seul dans ton coin avec une personne qui vient te voir. Salut Jérôme. Donc, voilà. Et puis, ça marche bien d'être au cœur du trafic. Vous venez, vous me retrouvez, vous êtes assez nombreux. Ça me fait plaisir. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. On a dépassé les 400 ce soir. C'est pas mal. Là, c'est quand t'as dépassé la quarantaine, logiquement. Pour ceux qui pensent que j'ai 38 ans. Merci, Aneman. Peut-être que j'ai dépassé la quarantaine. Aneman, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Moi, je suis très content. Je suis un peu fier, peut-être. J'ai du GPY. Je suis international. Non, borne, c'est pas fini. On est toujours en démarrage, en côte. On n'a pas fini. Le ratio visionnage pogne. Vous pouvez mettre des poupousses. Merci pour les GPY. Je vous récupère du monde entier. C'est la francophonie qui s'exprime. Ceux qui comprennent le français, bien évidemment. Et des quatre coins du monde, vous arrivez. Et du GPY, là, des 6000. L'autre fois, je ne savais plus trop ce que ça voulait dire, les 3000. 3000, c'est à peu près 24 euros. Là, tu m'as envoyé à peu près 50 euros. 6100 GPY, c'est à peu près 50 euros. Super pépette game qui est lancé, qui marche bien. En ce qui concerne, oui, j'ai entamé ce sujet, je me répète, pour parler de tout